Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc une vidéo qui va vous présenter des futurs skins qui pourront arriver genre le courant du mois de mars sûrement. Donc avant de vous présenter ces skins là, je tiens à faire une grosse dédicace à Jack by 9, je mettrai sa chaîne en description et son Twitter car j'ai trouvé ça sur son Twitter. Donc voilà. Alors premier skin, c'est un skin un peu dinosaure comme ça, franchement il est vraiment pas mal. Je pense qu'il va pouvoir bien se morfondre dans, enfin se camoufler dans l'environnement, comme il y a beaucoup d'herbes et qu'il est vert. Donc voilà, il est vraiment pas mal, il est assez fun. Donc après je sais pas si je vais acheter des skins parce qu'en fait je suis très exigeant. En sachant que ça coûte tellement cher un skin ou une pioche, t'as pas envie de dépenser ton argent à rien, donc voilà, je ferai attention à mes achats. Donc je sais vraiment pas si je vais l'acheter, je verrai bien, on verra bien à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était pour le premier screen, un petit dinosaure comme ça, c'est vraiment pas mal, assez fun. Alors le deuxième skin, c'est un motard avec son casque. Bon, moi le casque j'aime pas trop, après chacun de ses goûts. Hein. Moi je l'aurais bien aimé sans casque, genre avec une petite crête avec des lunettes de soleil, franchement ça leur aurait donné aussi bien. Donc par contre j'aime bien son blouson, j'aime bien son keffier, son pantalon il a l'air gris donc il a l'air neutre donc ça va. Et franchement ouais, il a une bonne posture et tout, il est stylé, je trouve il est stylé, mais je sais pas si je l'achèterai. Alors le troisième skin il est vraiment stylé aussi parce qu'il a une visière multicolore, il a un casque de moto. Donc voilà, le casque il est encore assez stylé. Je préfère ce casque là que celui juste avant. Mais bon voilà, après style militaire comme ça, franchement ça a l'air stylé aussi. Avec le sac à dos. Le sac à dos c'est pas ouf non plus, hein. On dirait un sac à dos de militaire tout simplement. Et en dessous il est marqué plus V-Bug. Je sais pas pourquoi il est marqué plus V-Bug, mais voilà. On verra bien quand il sortira. Alors ensuite j'ai les pioches à vous présenter. Donc 3 pioches, en tout ça fait 6 nouveaux skins. Donc la pioche que vous voyez là, c'est une pioche un peu, on dirait un ange comme ça, mais un défenseur d'ange quoi, un militaire d'ange quoi. Parce que ça a l'air d'être un guerrier, voilà. Donc je pense que celui-là il fera un bruit de son d'épée, genre pfiou, 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 quand vous l'utiliserez. Donc je pense qu'il a, franchement celui-là il me tente bien, il a l'air bien. Alors ensuite il y en a une autre, c'est franchement elle est banale, hein, c'est un truc militaire un peu comme ça, avec un point pointu et un coin plat. Moi celle-là je compte pas du tout l'acheter, elle est trop banale, ça m'intéresse pas. Alors ensuite il y en a une autre, la dernière, celle-là c'est vraiment what the fuck, c'est une pioche à l'image du lama. Mais ce que je pense, hein, c'est que celle-là elle va être, elle va faire des bruits. En fait à chaque fois que vous allez taper, eh ben ça va faire des bruits de smash, parce qu'il est marqué smash, on voit que... Je sais pas, on dirait qu'il y a des ressorts là sur les côtés, les côtés rouges. On dirait qu'il y a des ressorts et que quand vous allez taper dessus, ça va se rétracter et ça va sortir un bruit de la pioche. Donc voilà, je pense que cette pioche elle est assez what the fuck, elle pourrait être marrante à l'utilisation. Donc voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une petite vidéo info news sur Fortnite. Donc encore un grand merci à Jack by 9, et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Dites-moi s'il y a des skins qui vous intéressent ou des pioches qui vous intéressent. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos, allez ciao, peace.